suis médecin au centre de pharmacie à Cervère, à s'occuper de la réinsertion et de la réadaptation. Alors je vais vous résumer en quelques mots les objectifs de l'association. J'étais chargé, notamment à Margaretta, qui était championne du monde à l'époque de ski, de dessin de ski, de couvrir des relais sportives sur le centre. Donc nous avons également... Oui, moi-même, j'aimerais savoir s'il y a un service médical qui va suivre ce raid. Et ensuite, on n'en a pas parlé, j'aimerais savoir comment ça se passe durant la journée. On parle le matin, mais le midi, est-ce qu'on la caravane se retrouve tous ensemble? J'ai bien compris que le soir, on se retrouve. Mais dans la journée, comment cela va se dérouler? J'avais qu'une bouteille qui était offrée,
Déjà, on regarde la plupart des trois niveaux. Alors là, ça, ça va être gardé en archive, ça. Et alors, ce serait plutôt un fruit rouge, un fruit noir, un fruit blanc, pour aller bien. Ouais. Donc, on va maintenant le porter en bouche. Et là, on va. Et le sucre, ça fait un bel équilibre. C'est pas que je ne vais pas vous dire le contraire, mais il est bien équilibré. Voilà. Il a une certaine fraîcheur, il est vif en première attaque. Hein, en première attaque, une fois qu'on l'a mis tout de suite en bouche. Yeah.
toujours au rendez-vous. Maman, ça sert à quoi les rames? Ramenez-les. Moi, là, viens. Annie. Pardon. Alain, Mathieu. Dans ce cas-là, je donne. Viens, regarde-le. C'est pile poil, là. Je m'inquiète pas. Bon sens, c'est qui? Avec tout nos sens, c'est Bernard Deschamps, Bernard. Il y a des poids. Essentiellement à l'étranger pour de grandes aventures sportives et humaines. Donc on fonctionne sous forme d'étapes quotidiennes, de bivouac et de relais sportifs. Donc les étapes sont
parcouru en relais sportif. Nous, concernant les personnes handicapées, nous pratiquons le handbike, ces vélos à trois roues que vous avez derrière, qui évoluent depuis tout le début d'après-midi. Donc, on parcourt à peu près 30-40 km jour. Et puis après, il y a des relais de course à pied et de VTT. Donc, ça nous permet de boucler les étapes qui font entre 100 et 120 km au quotidien. Donc, il faut savoir que les journées sont longues, les réveils sont très matinaux. Et les soirées sont très longues. De ce genre de... Oui, oui, oui. Donc pas d'appréhension apparemment. De ces 4 circuits, je vais sortir une pente. Et donc je vous rappelle les 4 circuits de kilomètres. Un circuit donc en VTT 1 qui est de 38 km, un circuit 2 en VTT qui est de 25 km, à savoir que le premier c'est avec un roadbook et le second il est fléché plus le roadbook. Et ensuite pour les handbikers, donc c'est au roadbook aussi, et c'est un circuit de 30 km. Si vous voulez, c'est celui-là que tu as gagné tout à fait. Alors je réexplique les départs. En course, hein, on part tranquillement gauche. Par ici, du côté du départ, là, de la petite portée, il y a un panneau là-bas. Et les parcours de départ. Départ. Ce n'est pas une course, c'est d'abord du plaisir.
fait qu'une association a une raison d'exister. D'abord parce que, et pour Amoulin, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que, quelle que soit la différence, on puisse... Donc maintenant, je vais laisser le soin à notre cher président donc, de l'association Aventure Handicap de nous dire quelques mots et peut-être de nous présenter ses objectifs. À toi, Jean-Antoine. Environ 150 adhérents, ainsi que diverses antennes régionales. Et puis, petite anecdote, les choses sont, pas, enfin, sont très simples en fait. Une nuit, j'ai... Allez, on y va, c'est parti. Vivre sous l'équateur.